Dans la 18e saison de L'Amour est dans le Pré qui a débuté ce 21 août, il n'y a pas 14, mais bien 13 agriculteurs, le grand absent sera Baptiste. En tout début d'émission, Karine Le Marchand s'est exprimée sur le départ anticipé du candidat avant le tournage de l'étape du courrier. Rien n'est prévisible en amour, et l'émission L'Amour est dans le Pré ne fait pas exception à la règle. Le début de la 18e saison du programme de M6 nous l'a bien prouvé. Tandis que le premier épisode était diffusé ce lundi 21 août 2023, les téléspectateurs ont été surpris de trouver non pas 14 candidats comme prévu, mais 13. En début d'épisode, après avoir présenté les candidats, Karine Le Marchand en a dit plus sur ce bouleversement inattendu. Cette année, ce ne sont pas 14 mais 13 agriculteurs que nous aurons le plaisir de suivre dans leur quête du grand amour, explique-t-elle directement aux nombreux téléspectateurs du programme. Car Baptiste a décidé de ne pas continuer l'aventure juste avant l'ouverture du courrier, ajoute-t-elle. Mais cela n'explique pas vraiment la raison du départ du candidat. A-t-il finalement été effrayé de passer dans l'émission? Il n'est né rien. Baptiste a déjà retrouvé l'amour en réalité, il semblerait que l'absence de Baptiste, dont le portrait avait été remarqué, ne soit pas due à un caprice. En effet, l'ancien prétendant est la preuve même que l'amour a ses raisons que la raison ignore, alors qu'il était déterminé à aller de l'avant en participant à l'émission, ce père de famille qui avait été bouleversé par sa dernière rupture, a finalement renoué avec une ancienne compagne. Avant même la diffusion, Baptiste est retombé dans les bras d'une ancienne flamme. Un choix qui, bien que romantique, n'a pas été sans susciter de la frustration au sein de l'équipe de production. Gabriela Mazur, productrice, a exprimé son mécontentement à ce sujet. Si est-il un petit peu énervant, a-t-elle confié à nos confrères du Parisien. Baptiste a pris la place de quelqu'un d'autre, a-t-elle précisé avec regret. Reste à savoir si son histoire d'amour va durer.